Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue sur Radio Téléel. Pour observer l'émission préférée, là, les arrivés. N'oubliez pas, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne YouTube nous, pour capable aider nous avancer. Et comme ça, vous suivez nous live sur YouTube et recevoir toutes les dernières publications. Aujourd'hui, nous comptons pour nous recevoir le professeur Dieury Mathieu, qui peut expliquer nous comment le peuple haïtien est vrai descendant du peuple Israël. La portée en pile de détails bibliques, historiques, pour aider nous comprendre l'origine, nous, à nous suivre. Nous saluons frère nous, Dieury Mathieu, qui a participé aujourd'hui avec nous dans l'émission Les Arrivées sur Radio Téléel. Dieury Mathieu, c'est professeur de la Torah, et ensuite, vous animez une émission sur Radio Tribu d'Israël qui est basée dans Saint-Marc. Nous aider nous comprendre quelques bagailles sur l'origine du peuple haïtien. Il y a un pile haïtien qui commence à réaliser que d'origine juive. Et nous voyons que de plus en plus à parler de ça dans la radio, sous télévision. Qui est-ce qu'on dit sur ça? Est-ce qu'il y a une preuve scientifique, biblique, historique, qui est capable de prouver que, effectivement, haïtien t'a sorti dans la race peuple Israël? Nous disons shalom et nous saluons tout auditeur, auditrice. L'émission est arrivée. Tout fanatique télé elle. Eh bien, question, hein? Oui, nous avons dit, en pile monde toujours dit, que haïtien c'est juif qui est lié. Bon, nous pas pral dire non, nous ni, nous pas pral dire oui. Raison, c'est parce que nous, yon tout, yon mélangé, tout 12 tribus a mélangé. Mais Haïti, dans tout côté dans l'Amérique là que nous jouons les nègres gagnent toutes 12 tribus la donne. Mais il pas facile du tout pour nous reconnaître qui monde qui est ce qui juif qui est ce qui lévi. Et bien c'est dans un niveau connaissance spirituelle que au cas ouais qui ça ouyer d'ailleurs nous qu'a font cette histoire tout court la maison Israël était divisé en deux classes, la maison d'Israël et la maison de Juda. Maison de Juda, c'est lui-même qui est juif parce que c'est composé par Benjamin et Juda et puis quelques Lévi. Nous connaissons Lévi qui habitait tout partout dans la communauté Israël là. Et bien Juda était allé en captivité en Perse. Mais l'elle était allé en captivité en Perse, mais la maison d'Israël était allée en captivité en Syrie, des Syries qui ont traversé la mer du Nord et ont attendu la maison de Juda. Eh bien, la maison de Juda est venue partir tout, aller en captivité. Mais quand il y a les opérants, ils ont mélangé nous tous ensemble pour nous mener en Amérique. Alors, les nous arrivés en Amérique, nous songeons que nous te prenons dans le Sénégal, dans le point du non-retour, que côté que depuis là que nous te commençons à mettre nous dans la chaîne, enchaîner nous. Mais là, nous arrivons en Amérique, nous avons toujours appris chaque année, nous avons toujours voué nous dans l'autre pays. Ça veut dire que nous connaissons Jean Yahweh dit, les papiers nous par tout le monde entier. Nous pas dit exactement oui nous c'est Juda mais nous gagnons Juda en Haïti j'aime te dire au commencement nous gagnons toutes 12 tribus en Haïti peut-être nous ka dit nous c'est israélite mais on petit bagage que nous ka wè on gade dans livre Genèse chapitre 29 dans verset 35. Après ça, il vit dans 7 encore. Il fait un autre petit garçon, il dit fois ça. M'a fait l'orange Yahweh. C'est qu'on salire le Juda. Après ça, les assistants fait petit. Et bien, Juda signifie mon cap loué Yahweh. C'est ça que nous avons dans Apocalypse chapitre 2 et verset 9 et 3 verset 9. Côté Yahshua dit c'est mon son synagogue des morts yo pas pleurer Yahweh. Et bien raison qu'il faut que ou ka wè toujours relé tout monde ça au Juda
C'est parce que en centrale là, c'était en Jérusalem, c'est là la tribu Juda était. Et puis Kounia yo vin rele tout moun sa yo Juda, même Jean que ouais depuis nos Port-au-Prince yo rele nous tout Port-au-Princien. Mais moi en pile moun en pile professeur a fait erreur ça parce que nous pas qu'à identifier qui est-ce qui X qui est-ce qui Z. C'est encore que ouais on dit Haïti c'est Juda gen qui dit Haïti c'est Dan gen qui dit Haïti c'est Lévi. Non, Lévi a fort en Haïti en pile. Mais pour Juda gen en pile Juda en Haïti, mais nous pas qu'à dire exactement Haïti c'est tribu de Juda qui est lié. Si nous fait ça, bon, nous va pas dire son péché. Mais son erreur grave qui la pied d'après la Torah, on connaît que nous-mêmes nous barrer la Torah en pile, nous fouiller en pile, nous étudier en pile et nous enseigner le tout et nous découvrir, nous décortiquer, nous voir que nous pas nous toutes pas fait partie des tribus Juda, mais nous toute majorité, nous toutes majorité haïtienne, nous a dit que nous sommes israélites. Tout à fait, professeur Jerry Mathieu, en pile monde toujours confondre juif avec tout israélite. Donc, je pense que point ça qu'on soulevait est extrêmement important. Mais qui sont capables de dire à monde ça avec tout haïtien qui a écouté nous là, qui depuis au petit au lever, où elle a parlé de juif ou bien israélite? C'est moun qui gen peau rouge. Donc, qui sont capables de dire à moun sa yo, qui ouais que, contrairement avec ça que habitué tendez, ou bien après la télévision, ou bien dans le film, que je dis à ou nous n'avons pas avancé que en Haïti, toutes 12 tribus là, ou bien les vies concentrées en grande partie en Haïti, alors que nous sommes peuple à peau noire. Donc, comment. Qui sont capables d'expliquer, bibliquement parlant, pour capable porter une certaine conviction dans le monde qui a écouté que possiblement, n'est-ce pas, et Judas, ou du moins 12 tribus, et t'as vraiment établi en Haïti. Bon, oui, c'est un peu le monde toujours pensé que le monde sérieux qui est dans le pays canarien, qui aurait Israël là, il a toujours dit non, c'est monde sérieux, c'est eux qui juifs. Alors, nous-mêmes, nous croyons dans la Torah et nous étudions la Torah et nous enseignons la Torah. Mais puisque le monde sérieux, il a fait dans la terre Israël, pas dans la terre les Canaan, nous a toujours dit, c'est juif, mais il n'y a pas de sang. C'est même genre si le monde vient en Haïti, que soit nationalité, le font Timon en Haïti, mais ils seront Timon nationalité haïtienne parce qu'ils le fait sous territoire là. Et spécialement si nous regardons Mounsayo, ils n'ont pas rien pour jouer avec descendants Abraham, Isaac et Jacob. C'est on sait des mondes qui sortent Casal. Et puis qu'ils ont prendre territoire ça. Mais songez bien, Yahweh te dit Israël, tout le monde qui a regardé avec nous. Que dans Deutéronome chapitre 28, le verset 68, bamlil pour nous kawel plus bien, ça que nous avons parlé, il dit, et Yahweh te ramènera sur des navires. Ouais, ça le dit, sur des navires, ou bien nous avons dit en bon créole, en bâtiment, en Égypte. Égypte, ça symbolise le monde, mon système monde là. Et tu feras ce chemin dont je t'avais dit, tu ne le reverras plus là où vous offrirez en vente à vos ennemis comme esclaves et comme servantes. Il n'y aura personne pour vous acheter. Mais comme nous t'avons parlé, nous t'avons parlé de la maison de Juda, qui était dispersée en Perse, Perse Iran. Ils étaient retournés, mais après la mort de Yahshua, le Messie, notre Rédempteur, ils étaient fait, après 40 ans, nous sommes des hommes dévastés. Ça, toute partie. Eh bien, ils t'ont mené en captivité. Eh bien, l'histoire biblique pas jamais dit non que Mounsayo yo venu déjà. Mais qu'on y a nous-mêmes qui ça que nous apprenons la Bible pour nous montrer auditeurs, capteurs de nous là,
Mais ça que la Bible a dit, nous, la Torah dit, nous-mêmes, nous sommes supposés rester dans la Torah, nous pas rester dans le fanatisme, mais nous rester dans ça, la Torah dit, nous. Dans le livre Jérémie, que c'est Jérémie chapitre 30, verset 10, il dit, et toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas. Dis Yahweh, ne t'effraie pas, Israël, car je te délivrerai de la terre lointaine. Ok? Je te délivrerai ta postérité du pays où elle est captive. Jacob reviendra, il jouira du repos et la tranquillité. Il n'y aura personne pour le troubler. Alors ça, pour qu'on fait, pour personne pas troubler Israël. Alors nous allons aller dans Ésaïe chapitre 11. On garde pour nous. Si ça a fait déjà, eh bien Israël déjà là. Mais c'est sa cause que nous avons cette écriture même. Ésaïe chapitre 11, verset 11. Dans ce même temps, le souverain étendra une seconde fois sa main pour racheter, il faut qu'on rachète, le reste de son peuple dispersé en Assyrie, en Égypte, à Patros, en Éthiopie, à Elam, Shinéra, à Math et dans les îles de la mer. Alors, c'est ça que nous avons, que Israël est dehors toujours. C'est pour ça Yahshua mettez-nous là dans la grande commission pour nous préparer un peuple bien disposé pour retour. Et bien, c'est là ça, deuxième exode la fête. Et puis, là ça, prophétie dans Ézéchiel chapitre 37, l'a accompli. Et bien, c'est ça que nous avons dit, Kounéa. C'est ça qui est lié côté qui n'a point Israël, ok, côté de parler de une nation et un seul roi. Et bien, c'est ça que nous avons dit, c'est là Yahshua venu, ça a pas accompli. Merci, professeur Jerry. Mais vous avez parlé de Rome, vous avez mentionné Rome dans la réponse. Est-ce qu'on est capable de faire un petit rappel pour nous-mêmes qui ça Rome t'a fait, un petit rappel historique, qui ça Rome t'a fait en l'an 70 à Jérusalem? Et vous êtes capable de dire nous tout, est-ce que Rome t'a joué un rôle, si oui, qui rôle, comment elle t'a joué, pour que nous-mêmes, Haïtiens, pour nous être capables de venir trouver nous sous bout de terre côté nous hier? Oui, exactement, Rome. Rome te joué un gros morceau dans ça pour nous te venir côté que nous y est là. Ben au dans l'an 70 après ces 40 ans après la mort et résurrection de Yahshua et puis Rome te rentré avec un gros force sous les mains. Yahshua te dit ça que des disciples que les noms et pierres sur pierres écrasés dans temple ça là c'est toute bagarre finie. Ben et les ça même ils étaient si tellement paresseux. Yo pas de avin commencer vin faire grande commission là yo ça bon yo parti et puis bon yo te capturé yo et même ça pour on te faire là bon li poko rien et avec ça on va le faire là connait et ben pour prendre exemple de nous-mêmes que ou songer non ka songer les nous t'appli l'histoire d'Haïti et même dans Almac Christopher Columbus li écrit qui était pour nous et li était pour nous li était dans la bibliothèque li, et nous avons joué ça en Italie. Et l'élite arrivé, c'était un songe, c'est la reine, le roi Ferdinand, la reine Isabelle, qui était bâillé au bateau pour te venir. Mais on connaît mon ça, c'est gros catholique qui est. Et puis, en après, quand on est fini, il est retourné, il parlait ça qui est loin, parce que Jean-Louis était chargé l'or. Mais l'élite arrivé, en Haïti spécialement l'été de Santerre l'été dit et pas indien qui était là seulement non t'es gain éboué là déjà l'été dit au shalom hekem il dit mon yo te répond ni alekem shalom et ben c'est pour montrer nous que Yahweh t'a commencé voyer mon ici et puis il t'a dit de la rentrée en Amérique il voit bâtiment des nègres qui monter descendre et ben bon ou à son, j'ai oublié, en 1500 ou 1600, c'est loi Benoît V, qui est dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, que l'Église nous a été prendue du fait l'année dernière, que Pape Benoît a dit qu'on ça que il était légalisé. Pour blanc mettre nègre en esclavage, il te dit li bon pour nègre en esclavage. Et ben c'est depuis là ça que ça vient commencer
dans l'esclavage là, l'Église catholique, c'est lui-même même qui te prend nous, donc elle te prend Portugal, Espagne, Italie, et puis l'autre nation, yo, yo te mené, ancêtres nous yo, en esclavage en Haïti. Bon, on va songer, premier ça a fait, c'est un croix qui a planté, et puis à Mol Saint-Nicolas, il a planté pourquoi? Et puis, vous connaissez depuis arrivé, vous mettez quoi? Ça veut dire pays avant avec Satan. Deuxièmement, et puis, si nous songez l'histoire des croix des Beaux-Salles, mais souvent, même nous n'avons pas jamais expliqué nous pour quelle raison les zones croix des Beaux-Salles, combien de jeunes garçons qui étaient très beaux et qui étaient sauvages, qui étaient gros en pile, que les catholiques étaient prêts, ils étaient mettés. Te tuer yo et puis te plante ton croix sous yo. C'est ça que zone ça toujours il est croix Beau-Salle, mais moun pa jam pou pa expliquer nous histoire ça yo. Et ben l'Église catholique pour jusqu'où y a là, il pral chercher pour le remettre nous dans un système d'esclavage, c'est ça que elle pral commencer contrôler moun yo avec la marque de la bête, c'est bah veut dire c'est ça qui marque bête là exactement, la puce électronique pour ouais qui gens qu'elle te ka manipuler, qui gens ka mettre le monde. Non, système de travail, c'est travail et puis y a bon manger ou pas cap toucher. Mais l'Église catholique, c'est ennemi numéro un, les Hébreux israélites. Professeur Jerry, vous avez fait référence à boule papale qui te mettait nègre dans l'esclavage. Et non seulement ça, vous faites de grandes déclarations, vraiment grosses déclarations qu'on fait là, aujourd'hui, à savoir que bagaille que l'Église catholique parle fait, yo plus grave. Dans condition ça, est-ce qu'on pensait que Haïtiens yo capable venir connaître vraie identité yo? Et qui ça qui capable fait pour que le peuple haïtien capable connaître identité yo? Oui, c'est pour Haïtiens qui connaissent qui est vraiment vrai. Est-ce que c'est Hébreu, Israélite, est-ce que c'est descendant d'Abraham? Eh bien, Kounia, ça pour vous faire. C'est recherche que pour vous faire, parce que Kounia, vous regardez, même rabbin en Israël qui était juif, ça, yo dit que Israël est papier dans le monde. Kounia a parlé la vérité. Mais l'autre bagaille que nous-mêmes, Haïtiens, que nous devons prendre, Kounia, c'est des recherches approfondies pour nous faire. Kounia, nous avons demandé tête nos questions. Dans Deutéronome 28, verset 68, qui dit que c'est dans un navire, un bâtiment pour nous prendre, pour nous mener. En Amérique, peut-être un monde qui a dit non, il n'y a pas de l'Amérique. Et la Bible a dit ça. Non, mais quand il y a un regardé, il dit que vent l'Orient a poussé, depuis si vent l'Orient a poussé, qui côté qui là maintenant, c'est à l'Occident. Eh bien, l'Occident, ça a donc allé dans Osée chapitre 2, chapitre 12, verset 2. Oui, ou après ça. Et puis, quand il y a ou même, ou après, est-ce que tu es une nation blanche? Qui ont été pris, ils ont été mis dans le bâtiment, qui ont été mis esclaves. Eh bien, Yahweh dit, pour jusqu'où il y a que le peuple là est supposé opprimer, écraser, et tout côté qui est arrivé, ils n'ont pas capable, ils n'ont pas accepté comme monde, ils n'ont pas bonne nation qui a venu dans ce secours. C'est même gens, nous songeons à l'Italie, la France, l'Angleterre, même les États-Unis, ça le fait, non, non. Dans l'esclavage, qui ont fait fortune et qui ont été maltraités, nous. Mais si vous allez, vous appelez Joël, chapitre 3, après, il y a eu dit qu'il va entrer en jugement avec la grande nation, à cause que le peuple a séparé, il a été mis en esclavage. Okay? Mais c'est là qu'on y a, nous allons suivre ça, nous allons suivre l'événement, ça va priver de près. Alors, qu'on y a, nous qu'à poser tête nos questions, est-ce que blanc qu'a maltraité un blanc comme ça? Et puis qu'on y a, nous qu'a demandé qui nation que nous qu'a ouais qui a maltraité comme ça, yo opprimé, yo écrasé, qui pas rien devant l'autre nation, yo. Alors qu'on y a, nous qu'on y a au qu'à répondre, n'a demandé qui pour qui ça haïtien tout ça, yo l'a subi, yo. Regardez Deutéronome chapitre 28, où t'as pris exemple. Ou ta mdekamando, est-ce que peuple noir, américain noir aux États-Unis, est-ce qu'il a vivre comme ça? Réponse non. Non. Kounia mkamando, est-ce que peuple noir Guadeloupe, Martinique,
Guyane, est-ce que y a un problème ça de ton nom 28 à parler? La réponse n'a pas non, mais on peut dire est-ce que c'est pas peuple haïtien? Et bien, grand pile l'autre exemple que nous avons, même dans le système le vaudou, yo dit c'est sa cause ou ka ouais tout grand rabbin yo dit yo suspect tribu Lévi très fort en Haïti après Israël qui était un rapport spirituel comme ça kounya yo dit c'est Haïti seulement que ouais qui gon rapport proche avec bagage spirituel non bien ange mais c'est ça yo que kounya qui ka fait non ouais qui est-ce que nous est bon encore ces gens nous ka montrer haïtien ça c'est par exemple on a regardé pour nous bon nous même c'est pour ça que nous là yo ka écrit nous yo poser nos questions et puis nous même n'a répondu n'a enseigné yo la vérité et ben non nous pas peur que ça Vatican gain pour venir faire là son bagage qui écrit noir sur blanc dans livre Apocalypse dans livre Ésaïe côté que ça ka fait et puis en même temps que nous ka montrer mon dans le livre de Ésaïe, il parle de centre de la terre, peuple qui est au centre de la terre là, et bien géographiquement parlant, il dit nous chita au centre de l'équateur, le centre de l'équateur, mais c'est Haïti. OK? Et bien c'est ça que nous a dit pour le moment parce que son avant-goût pour comprendre ça que nous a parlé yo. Ça que yo commence à tendre, c'est pour apprendre. Et bien très bientôt yo ka wè des événements qui pourraient arriver comme moi toujours dit tout le monde si vous les noms haïtiens diaspora yo commencez prendre ma paquet yo pour y après retourner ou bien y a mettez au dehors pas masse pas paquet et ou bien même pour prendre l'armée pour y retourner en Haïti et ben là ça maman monde là met commencer marrer yo parce que peuple haïtien son peuple qui coûte qui cher devant Yahweh persan en ce qui concerne bateau qui te mené haïtien yo non territoire que nous occupons qu'on y a nous pas seul monde nous pas seul nèg que bateau te mené et jamaïcain yo et noir nèg cap vivre aux États-Unis yo monde qui dans Trinidad et Tobago yo monde qui dans Sainte Lucie yo monde qui dans Martinique Guadeloupe yo qui soit dit monde ça est-ce que monde ça yo pas petit Jacob tout oui c'est ça que nous toujours dit tout monde dans Caraïbes honnête now tout les nèg dans le continent d'Amérique là toutes ces sont des hébreux israélites c'est toutes 12 tribus qui y est c'est sa cause que nous mêmes nous pas jamais nous pas qu'à dire nous pas qu'un doctrine ça qui dit que mais tel côté Jamaïque c'est telle tribu Haïti c'est telle tribu Guyane c'est telle tribu Cuba c'est telle tribu non parce que vous êtes mélangé nous tout noir ça honnête. C'est dans temps ça là côté que tribulation qui va commencer que tout le monde ça va commencer réveiller yo c'est sa cause nous même nous toujours dit Yahweh dit quand il by Lord li il a souqué la maison d'Israël parmi toutes les nations comme yo scribe yo ont souqué sable dans crib pas gon grain cap tomber à terre mais c'est la raison ça que nous même nous c'est tellement mélangé qu'on nous prend pelle ça pour mettre non cri peuple haïtien ça comprendre bien ça n'a pas l'air et puis l'os souke l'os souke et puis ça tombe il y a dit pas lui pas tomber mais yo mélangé c'est ça que nous on et même genre on a appris l'histoire de Bookman et puis Bookman c'était Jamaïque il était sorti il était levé au terminal tout petit Jamaïque il est entré ici en Haïti. Et bien, ouais, qui m'avait parce que travailler, c'était pour en Haïti, pour le devine faire. Oui, tout le monde, ça honnête, ce sont nos frères et sœurs, c'est sa cause encore, nous calons dans Ésaïe chapitre 11. Nous avons regardé Ésaïe chapitre 11, où après, il dit, qui côté, il dit dans les îles de la mer. Et bien, dans les îles de la mer, là, c'est là qu'il est papillé, nous tous, là, dans tout pays. Que dans Amérique là où gain toutes 12 tribus yo chita là mais qui ça ennemi a fait ennemi a voulu faire nous connaître c'est yo kounia qui c'est israélite mais pour reconnaître yo mais simplement ça nous ca parler plus pour ca reconnaître c'est les lidi y a pour gain pour aller en captivité nous gain petite nous
yo pral en captivité, y a pour faire pays pour faire entrer ces étrangers cap contrôler toute richesse nous. Mais ça nous voulait faire peuple là qu'on est bien, c'est seul pays, c'est seul terre Haïti, c'est seul peuple haïtien dans tout qui indépendant. C'est raison ça qui fait que ouais n'a souffert comme ça. Mais l'autre yo dépend tant que Jamaïque toujours dépend sur l'Angleterre. Non ka wè gen lòt yo ki dépend sou les États-Unis, mais nous-mêmes c'est sel nous-mêmes qui libre, qui indépendant, c'est sa cause nous toujours l'entendent d'appétitier et puis les n'a pas signé l'autre monde tout, nous toujours dit on concentré pour nous parce que il dit il place le pays, c'est pour lui dire à replace au côté, ça veut dire que ou c'est ou indépendant. Mais c'est là que ou après nous toujours dit le professeur était toujours montré nous tout que prophétie chapitre 28 de livre de Deutéronome, à partir de 15 à 68, il dit au plus proche peuple haïtien au lieu que l'autre, parce que qui pays, qui peuple qu'on y a nos carrés qui dépouillé et qui opprimé, écrasé, chaque jour qu'il a opprimé, il a dépouillé, par contre l'autre nation qui a venu en aide, eh bien qu'on y a nos carrés, ça qui a passé là. Avec coronavirus là de bay Madagascar que au kawe que les nèg et les noirs pral unio. OK, mais qui peuple nous ka di jodi a ki également d'esprit que yo pa kite nou gen connaissance intellectuelle ni connaissance spirituelle. Mais c'est kounya là ça nous ka di ça pral commencer là, c'est travail ça que nous-mêmes dans Radio L l'émission de Pé Campé que nous ka wè tout ça yo. En fait, mais c'est pour nous garder, pour nous un peuple tous les jours qui a opprimé et écrasé, qui est qui cherche, qui est qui là pour délivrer, c'est Yahweh. C'est sa cause. Ou après, peuple haïtien, tout ça ou toujours fait. Ou elle dit, on m'a parlé en bon créole là. Ou toujours dit, bon Dieu bon. Ou bien on dit, y attendez, Yahweh, toute bagarre. Mais lui-même, c'est dans le ciel, il est toujours à chercher. Et mais on croit, ouais là, c'est là Israélite là y est. Mais oui, yo tout dans Caraïbes là net bâtiment yo les tepote yo dans toute Caraïbes là, mais toute Caraïbes là, Amérique du Nord, Amérique du Sud, toute côte ouest nèg là, mais ce sont des Hébreux israélites descendants Abraham, Isaac, Jacob que yo y. Merci. T'as fait Jerry Mathieu, moi songe que moi t'as fait un enseignement pour époque fête trompette 2019. Avec l'église nous moi songe que toute malédiction ça qui décrit dans Deutéronome 28 nous té ouais yo tout yo compatible avec peuple haïtien. Moi pas de enseignement, moi té juste montré mon yo verset yo et puis yo vinn dim ki ça ouais dans verset ça qui a passé en Haïti, c'est ton bagage qui était extraordinaire. Mais m'ta m'ont aidé nous pour que nous comprenions nos bagages. Et est-ce qu'on pas ouais que une confusion parmi un pile monde et même parmi les chercheurs, yo pensaient que tout noir c'est africain. Est-ce que pas une différence dans noir yo qui pour permettre que nous connaît que eh bien tel groupe de noir yo c'est africain et tel groupe de noir yo c'est nègre. Qui différence ça y est, Jerry Mathieu? Oui, concernant tout nous connaît peuple là connaît que donc même c'est pas nous qui écrit l'histoire nous. L'histoire nous c'est la blanc Jodia qui écrit li, mais li serait en pile document pas nous que kounia nous ka ap découvrir. C'est même genre la Torah, yo pas de nous connaît rien dans la Torah, c'est sa cause yo ka dit tout noir c'est africain. Et ben non, tout noir pas africain, c'est même genre yo ka dit toute l'Europe pas blanc, mais tout au cas donc ouais l'Allemagne dit c'est eux-mêmes qui vrai blanc, l'autre pas blanc. Eh bien c'est raison ça, c'est parce que ils pas voulu nous connaître identité nous, ils pas voulu connaître qui monde que nous y est. Si nous regardons dans le livre de Genèse chapitre 2 dans verset 11, 12 et puis 13, après c'est le pays de Cush que toute rivière est couronné. Mais après le déluge, nous carré Simon Noé yo allé, c'est eux qui viennent repeupler la terre.
Ou ka wè, nan pwè se, se kouch, se kam, pardon, ki te monte an lè la, e pwi ki tal peple l'Egypte, Mishraim, e mè Mishraim te monte, l fè Nemod, e pi Nemod te desen lal Kanaan, mè Shem di mèm te rete nan zon Irak, e pi Yahweh pral vin fè Shem, descendant Shem, monte al pran Kanaan. E bè, descendant Shem, se te c'était nègre, mais Cam, spécialement Cam, c'est chaud, noir. Eh bien, raison qui fait que Kounia, ou ka, non, ka, ouais, que, yo dit tout, tout noir, c'est noir, c'est nègre, ou bien tout noir, c'est africain, c'est parce que yo pa vle nou konnen identité, nou, yo pa vle nou konnen ki moun ke nou ye. Mais c'est pas noir, c'est pas africain qui ont été déportés, qui ont été menés en Amérique, qui ont été fait quitter terre là. Terre là, mais c'est ça. Quand il y a le mot d'Afrique là, il n'a pas existé dans tant longtemps. C'était couche, tout le monde te connaît, et puis chaque côté, le monde a été fait petit, il est venu là. Mais c'est ça tout, donc, ouais, on dit Israël, c'est dans le Moyen-Orient. Non, Israël pas dans le Moyen-Orient, parce que Israël a une frontière avec l'Éthiopie, il a une frontière avec l'Égypte. Mais qui vient faire une frontière avec pays qui nous dit que Afrique de l'Est et puis Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest et puis l'inamitant pour nous dire que c'est Moyen-Orient. Non, c'est pour être réduit et pour être qu'à réduire continent qui fait que vous venez l'élire. Le qui fait que vous venez diviser comme ça et puis ou dans le Moyen-Orient, mais c'est couche continent terrelé et puis après ça, non, c'est anglais. Avant anglais était venu, c'était Grécieux, il était relé li apricot. Et puis de là après de là apricot, il est venu relé li Africa. Et ben c'est de là tout que il est venu avec nous. Il est venu dire tout noir, c'est africain. Non. Mon il était déporté nous même majorité, la majorité noire qui est en Amérique, ce sont des nègres que nous y nous c'est descendants simples. C'est ça que nous sommes descendants Sem. Sem, côté, nous te prenons de là, il a été fait Abraham monter là pour le peupler et puis Canaan. Mais c'est là que nous y est là, Kounia. C'est sa cause Kounia, même l'histoire dit nous, les autres déportés, nous avons les bâtiments, les négriers. Mais négriers, c'est nègre qui est lié, mais pas très les africaniers. Nous pas de problème avec africain mais aujourd'hui sous aller côté n'importe africain qui est en Afrique yo ka tracer même africain qui dehors yo ka dit mes descendants yo nous même nous pas ka dire aujourd'hui parce que premier bail que yo fait yo virer yo ba nous non que nous pas même connait nos familles nous pas même connait côté que nous sorti dans tribu c'est raison ça qui fait que nous moi-même spécialement serviteur nous Dieu Mathieu mais toujours dit que haïtien pas occupé personne monde qui dit nous c'est Judas nous c'est Dan nous c'est non ou même peut-être pas ou qu'a senti qui est-ce que nous est mais c'est pour yo qu'a été toujours kembe nous dans égarement d'esprit qui fait que yo dit nous tous c'est africain non nous tous descendants noirs qui en Amérique là non non pas des Africains. Nous sommes des Hébreux israélites. Moi-même qui parle là, moi je connais que moi sont Hébreux israélites. Moi, dans cette moi au passé en Afrique. Mais ça pas dire que je suis africain pour ça. OK? Et c'est même genre après grand pile juif en Éthiopie, mais toujours il était toujours juif. Felicia Joe. OK? Mais nous-mêmes en Haïti, nous pas carré les têtes comme ça. Et bien, c'est ça que nous avons dit pour le moment, géographiquement parlant, mais c'est pas voulu nous connaître qui est exactement que nous y est. Sur route pour nous mettre fin à l'émission nous en Dieu Mathieu, mais juste avant, nous t'aimer saluer quelques branchés. Nous saluons spécialement Keito, qui a coûté nous en Haïti, plus particulièrement dans Akaye. Son fanatique inconditionnel, l'émission est arrivée sur Radio Télé L. Nous saluons Fredine qui a écouté nous dans le Sénégal. Nous saluons Antoine Production dans Saint-Domingue. Antoine, Kembela, bon bagay. Nous saluons Kendia dans Chili qui a
qui cap coûté nous qui sont branchés. Nous saluons Paula Mézil, Chili, Paula Kebela Palagé. Et nous saluons spécialement artiste nous, Erickson Noël. Et nous profitons encore à jour à écouter la musique que nous avons sur YouTube, chaîne YouTube Liarele, artiste confirmé. Et nous avons une belle musique qui titre nous carifèl encore. Nous conseillons nous tous pour nous entendre la musique ça. Jerry Mathieu, nous pouvons terminer. Vous autres font une belle rallye là. Autrement dit, si vous comprenez. Dernière intervention là, c'est que ça qui est important, c'est pas que haïtien ou bien canadien ou bien ou c'est américain ou bien c'est allemand ou bien c'est nigérien ou bien sénégalais, mais ça qui est important, c'est que nous devons connaître dans trois petites noyaux Sem, Cam, Japhet, qui est là deux qui grands-parents nous, parce que dans l'époque bible pays tant que Haïti, Canada, États-Unis et anglais, français, yo pas existé. Quelque part, si quel que soit monde qui vrai monde qui existait qu'on y a, faut que c'est un dans monde ça qui ta grand-parent. Donc est-ce qu'on pas penser que li important pour que haïtien commence à faire recherche, à chercher connait origine nan qui monde que nous soti. Mais l'autre bagage qui est extrêmement important, ou toucher ça tout dans intervention yo Jerry Mathieu, c'est que t'assembler un gros complot pour éliminer une race monde sous terre. Et n'a regardé dans Somme 83, il parlait effectivement de complot qui existait pour être capable d'effacer race Israël là sur la surface de la terre. Qui sont capables de dire nous-mêmes qui s'haïtien sous ça? Oui, pour nous qu'à répondre le complot, qui oui, ce grand complot qui pour détruire, qui là pour détruire les nègres et même toutes les noirs. C'est depuis l'Antiquité, Jean-Noël Kadili, c'est où prend la Torah, où a décrivé lui, où après c'est peut-être ça, Caïn a tué Abel, parce que ça n'a pas un droit pour hériter lui. Et même Jean, on peut aller dans le livre, je crois que c'est Cantique, Cantique des Cantiques, on peut aller ça, Salomon dit, parce qu'on peut aller nous, sur terre-là, il dit, ne prenez pas garde à mon teint noir, c'est le soleil qui m'a brûlé. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi. Ils m'ont fait gardienne des vignes, ma vigne est à moi et je ne l'ai pas gardée. Eh bien, on connaît une terre là, c'est le premier monde qui était soulé, c'était nègre. Bon, depuis là, ça, que ennemi, c'est complot, la fesse au complot, pour le voir qui gens qui étaient détruit, rasé, rasa. Mais les nouvelles gardées après le déluge où Rasta a peuplé, eh bien, qu'on y a là, nous, qui gens, même noirs, cousins, des cousins, ils ont été mettés en esclavage en Égypte, où ils ont été sortis avec un bras fort, ils ont été mis dehors. Eh bien, même côté que nous sortis, au praloué, pendant que les ancêtres nous sortis en Égypte, nous praloué que au praloué, on go bataille. Dans le chapitre 17, Exode, le verset 8, où on est Amalek, c'est Wabgadil, mais si Wabgadil littéralement comme ça, ou pas capable de comprendre, mais là, on prend le texte hébraïque, ou pral le texte, alors, 20 combattre Israël à Refidim. Refidim, c'est un mot hébreu qui signifie plus bas, la cherche pour mettre Israël plus bas. Et puis, ou après Moïse, t'es obligé de relayer Yahshua, Oséa, fils de Nun, pour aller bataille, il dit chercher des hommes, aller bataille, lui-même l'a monté au sommet. Ya. Ou après, c'est deux batailles qui étaient là, t'es une bataille physique et t'es une bataille spirituelle. Tout. Ou après, les Moïse levé deux mains dans l'air, Israël fort, les Moïse faibli, deux mains tombées, Israël sans force. Alors, songez bien, Hamalek signifie les peuples sont rois. Mais qui est-ce? Eh bien, Moïse, t'as cherché concours Yahweh, eh bien, démon qui était venu déclencher bataille ça avec nous, c'était Samael. OK? Samael, c'est ça que la Torah décrit, parce qu'on est monsieur Pamit, non, ça y est, dans Saint-Écriture, dans la traduction française là. Mais c'est ça que ou Kawel a décortiqué l'étude, ou après que c'est Samael, eh bien, Samael, je dis à Céline, après indépendance, nous tous, maçon loge, il y a trois maçons loges qui étaient entrés en Haïti. Et puis, là, on a fait une interpellation. Samael est rentré, il est paraître, et puis il a dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre Haïtiens
pour tuer Jean-Jacques Dessalines et puis pour mettre Haïtiens en division. Alors, tout ça, que nous avons pour nous approuver. Et puis, c'est depuis ça que nous-mêmes nous maudits propre tête. Nous. Même Jean, nous songe Balaam, te dit Balak, c'est nous-mêmes qui avons maudit propre tête. Nous. Eh bien, vous parlez de race Israël, là, Jean, vous avez dit dans son nom. Vous parlez de race Israël. Là. Ben il y a erreur que vous faites, Yahweh te dit Abraham, descendant gain pour comme étoile du ciel. Mais pour regarder, vous dites nous, étoile gain plus que 4 milliards d'étoiles. Alors nous, c'est 10 milliards sous planète là. Nous pouvons même 10 milliards. Bon, c'est ça que vous dites. Alors, manque 40 milliards. Pour nous t'a fait 400 pour nous t'a exactement même gens avec étoile mais il dit comme poussière terre et mais c'est parce que vous prenez c'est nous mêmes qui le premier et c'est nous qui a le dernier alors ça vient mettre en gros confusion parce que vous peur nous c'est même gens François Franco Roosevelt le président des États-Unis il traite nous comme des vanipiers. Demander au Congrès États-Unis pour pas jamais quitter peuple ça uni parce que jour uni il a fait explosion et ben nous même tout c'est raison ça qui fait que nous a souffri comme ça parce que ennemi hein, qui c'est Satan Satan pas ami les nègres OK de toujours là pour mettre nous dans esclavage pour nous car adorer lui et pour nous pas bail gloire à Yahweh notre Père céleste. Mais au qu'on est en très court, nous t'a qu'après plaisir pour nous parler avec peuple non, population non, il doit être vigilant et il doit être réveillé parce que nous dans tant côté nous pral entrer dans tribulation. Nous pral entrer dans tribulation comme Yahweh dit c'est dans tribulation qu'il pral prendre petite lio. Alors nous croit que moun ça qui dans tête pyramide là que au cas commencer sentir en bas pyramide là souqué. Faut que font Jean. Eh bien, faut que font Jean avec les nègres, parce que ouais nègres voulaient unir. Alors, une fois pour toutes, eh bien, qui ça que vous voulez actuellement là, ennemi non yo, yo pas yo ouais ça qui gagne en Afrique et en Haïti, yo pas voulez nègres sous territoire là encore, yo voulez en Afrique sans Africains, yo voulez en Haïti sans Haïtiens. Moi-même, moi, quand dis nous, que moi, des amis qui te fait me connaître, des professeurs qui te fait me connaître que Haïti a une richesse qui a cause la troisième guerre mondiale. Et si on te quitte développement richesse, Haïti a une grande puissance dans l'Amérique, là, elle a même dépassé les États-Unis. Eh bien, c'est ça que nous fâchés, que nous sommes un grand peuple, nous avons une belle histoire et nous sommes petits. Yahweh a cherché nous, qu'on y a là. Pour nous faire sans volonté. Nous disons merci et bien content que vous ayez participé dans l'émission. Shalom. Yahweh béni nous, dans le nom de Yahshua, HaMashiach. Alléluia. Shalom, frérot, merci de ce côté participer ensemble avec nous. Nous espérons avant longtemps que nous avons une possibilité pour nous capables de retourner sur un pile gros bagage qu'on dit là, pour capable éclairer l'antenne peuple haïtien et puis aider tout auditeur. Radio Télé Elio comprend en pile bagage sous qualité mystère qui entoure peuple haïtien ça que nous pas n'importe qui peuple nous sommes peuple spécial nous gain appel bon Dieu sous la vie nous gain appel bon Dieu Abraham Isaac et Jacob la sous vie nous cap veiller nous cap protéger nous et nous devons faire attention tout parce que nous dans un monde qui dangereux et que n'a pas approché moment tribulation yo bagay yo pral difficile en pile changer qui moun que nous y tout au moins chercher connait qui moun que nous y merci frère Jerry Mathieu Shalom à bientôt. Merci à tout le monde qui a regardé l'émission, tout fanatique Radio Télé L. Il nous dit Shalom et que Yahweh bénisse nous, il protège nous, il guide nous et pour nous force courage pour nous traverser ce moment difficile. Shalom. Nous arrivons à la fin de l'émission. Nous remercions tout le monde qui a suivi nous. Pas oublier d'abonner à la chaîne YouTube Radio Télé L. Comme ça, vous êtes capable de suivre toute émission en direct. Au revoir.